Coucou tout le monde, c'est Auris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance à trois choix pour les énergies de votre mois d'octobre 2023. Donc on va voir un message canalisé avec le tarot pour commencer, pour voir vos énergies générales. Ensuite on verra la difficulté du mois, la réussite ou les difficultés et les réussites. Il peut y avoir plusieurs choses qui sortent. Et on terminera avec un dernier message ou conseil de la part de vos guides pour vous aider à tirer le meilleur parti de ce mois. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire vos ou votre choix. Je vous laisserai ensuite cliquez sur le ou les marqueurs de temps associés juste en dessous dans la description. Et je vous rappelle que tous les tarots et oracles sont listés dans la description et que les liens mènent vers la version de l'oracle en français si elle existe. Voilà, à tout de suite. Bonjour groupe 1. Alors c'est parti pour les énergies de votre mois d'octobre 2023. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les balances et tous les scorpions du mois d'octobre. Étant moi aussi du mois d'octobre, j'aime beaucoup cette période. Allez, c'est parti. On commence avec un message canalisé pour votre mois. Ensuite, on verra les difficultés, les réussites et un message conseil de la part de vos guides pour terminer. Oh, je crois que vous avez des belles énergies. Oh, c'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, alors, nous avons l'as de bâton, les amoureux et la reine de bâton. J'adore parce qu'on passe de l'as à la reine quand même, hein. Alors, ce mois d'octobre, il y a une idée qui va vous propulser. Alors, ça peut être plein de choses différentes, mais là, j'ai vraiment cette idée de d'une impulsion, d'une idée, d'une action, d'une inspiration qui va vous demander de décider de la mettre en action, hein. Mais si vous le faites, ça va vous amener beaucoup de réussite. Vous allez être dans votre pouvoir de création. Vous êtes dans votre pouvoir personnel. Donc, je vois que là, ce mois d'octobre, vous allez avoir une décision à prendre. Et on vous encourage vivement à prendre la décision qui fait chanter votre âme, qui fait chanter votre cœur. C'est un peu cucu la praline, mais là, c'est vraiment ce que je vois, quoi. On a les amoureux, on a l'as de bâton qui danse dans les fleurs. Donc, pour moi, clairement, si la décision, elle vous rend pas joyeux, elle vous excite pas, elle vous stimule pas, ça sert à rien de la prendre. Au contraire, si elle vous met dans cette énergie justement de joie, d'excitation, d'enfant intérieur, de passion aussi, d'imagination, si cette impulsion, cette idée, elle vous donne plein d'inspiration, elle vous donne envie de faire plein de trucs, c'est que c'est la voie à prendre. C'est que c'est la voie à choisir. Si en revanche, il y a plein de doutes, il y a du stress, de l'anxiété, des pensées négatives, etc., pas la bonne direction. En tout cas, sachez juste que si vous vous prenez trop la tête par rapport à quelque chose, la plupart du temps, c'est que c'est pas la bonne direction. Quand c'est une bonne direction, c'est fluide, vous êtes heureux de le faire, même si vous avez un petit peu peur, vous avez la joie dans le cœur et vous osez dépasser votre peur. Donc ouais, mois d'octobre, il y a une décision à prendre, c'est clair et net. Et pour beaucoup d'entre vous, je pense que ça a trait avec la créativité. Et pour d'autres, ça a trait peut-être aussi avec votre image, votre charisme. Ouais, complètement. Peut-être la façon dont vous voulez vous présenter dans le monde aussi. Ça peut être de travailler sur votre ombre. Prendre la décision inspirée de travailler sur votre ombre, peut-être avec quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui est dans le cœur aussi. Parce que la reine de bâton travaille sur son ombre. Et l'as de bâton, c'est la force de vie. Donc c'est possible que cette force de vie vous pousse à aller voir une ombre en particulier ce mois d'octobre, groupe 1. Et quand l'idée viendra, l'inspiration viendra, en tout cas pour ceux à qui ça parle, va falloir y aller. Va falloir pas traîner en fait, parce que quand il y a une inspiration, souvent, quand on décide assez rapidement, les choses sont fluides. Plus on attend, moins elles seront fluides. Faut pas avoir peur, faut pas que ça vous mette la pression, c'est juste un conseil pour l'avenir. Et en dessous du paquet, on a la 9 d'épée. Ouais, voilà!
Je vous l'ai dit, si c'est une décision qui vous met dans cet état-là, regardez-le, le pauvre, il se réveille d'un cauchemar, il est tout transpirant, il n'est pas bien du tout. Si ça vous fait faire des cauchemars, si ça vous réveille, ou si le matin, c'est la première chose à laquelle vous pensez, c'est que c'est pas bon pour vous, c'est que votre corps, il vous envoie une alerte, votre inconscient vous envoie un attention. Surtout si vous faites des cauchemars par rapport à cette chose. Donc, ouais. Après, on peut être stressé par une décision qui est bonne pour nous. On est tous différents, on peut avoir un degré de stress différent, on est d'accord. Mais il faut juste se demander si cette décision, elle sert votre plus grand bien, elle sert votre âme vraiment en profondeur, ou si c'est juste votre mental qui croit que ça ferait du bien, qui croit qu'il pourrait tirer ci et ça. Est-ce que c'est vraiment votre âme qui vous pousse à évoluer, qui vous pousse à vous développer, à être dans votre plein potentiel, ou est-ce que c'est votre mental qui croit qu'il a besoin de ci ou de ça ou de etc. etc. pour y arriver? Vous voyez? Donc j'espère que c'est clair, que vous arrivez à comment dire, à trier un petit peu tout ce que je viens de dire, à prendre ce qui vous intéresse. Quoi qu'il en soit, vous saurez que vous prenez la bonne décision si ça vous renforce. Si ça renforce vos rêves, si ça renforce votre personnalité, votre charisme. Ensuite, ce qui me vient d'autre, maintenant qu'on a fait un petit peu le côté abstrait, etc., on va faire vraiment du texto avec l'as de bâton, les amoureux et la reine de bâton. Pour moi, pour certains, il y a une rencontre passionnée, soit avec un ou une amoureuse, soit avec une personne de cœur, une personne de votre famille d'âme, qui va vous voir tel que vous êtes, qui va voir votre âme et qui va encourager la vision de votre âme, de votre esprit, de cette lumière qui est à l'intérieur de vous, en fait. C'est ça qui va porter cette lumière que vous êtes et qui va vous aider à briller. Il y a ça aussi. Il y a un autre message aussi, parce que clairement avec l'as de bâton et la reine de bâton qui est sur scène, là, qui fait une représentation, on a vraiment cette idée de briller. Donc, groupe 1, peut-être que pour vous, la décision que vous allez prendre ce mois d'octobre, ou quelque chose qui tourne dans votre tête en ce moment et qui va se matérialiser en octobre, c'est que vous voulez briller. Et c'est complètement OK de vouloir briller, mais il va falloir prendre cette décision de briller et de ne pas se laisser avoir par ces peurs et ces doutes qui vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous devez encore faire une formation, ou que vous devez encore travailler sur vos ombres, parce que là, il y a peut-être des personnes qui vont faire cette démarche qui est nécessaire, mais il y a peut-être d'autres personnes qui sans cesse travaillent sur elles, qui font tout le temps de la thérapie, qui sont tout le temps en formation, en retraite, en machin. Et peut-être que là, pour ceux qui sont souvent dans cette démarche, on vous dit que ce mois d'octobre, ça va être un mois où on vous dit d'aller sortir dehors, de profiter de la vie et de plus être dans cette volonté de guérir à tout prix, mais plutôt dans l'expérimentation de la vie après avoir fait toutes ces thérapies, toutes ces guérisons, etc. Donc là, c'est peut-être un encouragement pour certains de décider de sortir de ce travail de l'ombre et d'aller briller dans le monde. Et ça peut réveiller beaucoup d'angoisse. Je suis pas prêt, mais j'ai encore du travail, mais je suis ci, je suis pas ça. Donc voilà. Prenez ce qui résonne, bien évidemment. Alors, où est-ce qu'on en est du temps? Ok. Je regarde un petit peu parce qu'après, je veux pas que les autres aient une guidance plus courte et certains plus longues. Donc j'essaie de faire pareil pour tout le monde. Allez, on va tirer encore un petit peu de cartes. Mais regardez ça. Le choix. Il y a clairement un choix à faire, voilà. Premier message, et on confirme bien. Et en plus, c'est en dessous de l'as de bâton. Donc le choix, c'est vraiment le choix de la force de vie, de l'étincelle au fond de vous. Pas le choix du mental qui veut se mettre à tout prix en sécurité et qui veut à tout prix faire les choses comme ça parce que sinon ça marchera pas, etc., etc., qui est dans la peur finalement. La force de vie, elle n'est pas dans la peur, donc des fois elle peut nous pousser à nous dépasser. C'est ça qui fait peur un petit peu. Mais c'est pas une peur qui est aussi paralysante que celle du mental. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? La passion, voilà. La passion avec les amoureux, on adore, on kiffe, c'est génial. Donc pour certains, on voit bien que soit vous allez vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, cette décision, elle va attirer beaucoup de joie, d'amour dans votre cœur, ou alors tout simplement, ça fait référence au message de cette nouvelle relation qui arrive pour certains d'entre vous, où ça sera un nouveau départ enflammé, passionné.
que ça soit une relation platonique ou romantique, bien évidemment, hein. Les âmes sœurs, c'est pas que romantique. Et on a le combat. Eh, c'est intéressant parce qu'on a des gants de boxe et c'est un combat positif. La ligne, la fréquence, elle est haute. Et on voit que là, cette reine de bâton, elle est sur scène et que les combats de boxe, en général, c'est sur un ring. Donc on a vraiment cette idée d'être mis en avant, d'être mis en lumière, hein. Et il me semble que dans les combats de boxe et les trucs comme ça, il y a le ring et il y a une espèce de gros projecteur au-dessus d'eux pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc pour moi, c'est clair et net que là, ce mois-ci, on vous demande vraiment de vous mettre en lumière, peut-être pour certains de vous montrer, et d'oser en fait, d'oser choisir la voie de votre cœur, même si ça vous fait peur, même si ça vous challenge un peu aussi, hein, ça challenge peut-être votre entourage. Et il y a autre chose qui me venait avec le combat, la scène, la lumière. Ah, il y avait autre chose. Bon, peut-être que ça viendra après. On a le masculin en dessous du paquet. Donc ouais, voilà, le masculin quand il est dans son négatif, on va dire, il est plutôt comme ça. Il est dans le mental. Il est plus dans l'action. Il est dans, comment dire, dans la planification anxieuse. Il est trop réfléchi. Il est trop coincé. Il est pas assez dans ses émotions. Donc ouais, il y a plus du tout de socle en fait quand le masculin sacré il est pas du tout aligné. Donc je pense qu'il y a un gros travail là-dessus aussi pour certains. Et ouais, j'espère que ça reviendra ce que je voulais dire parce que c'était ouais, c'était intéressant. Donc maintenant, on va voir un dernier message pour l'énergie générale et on passera aux difficultés et réussites de votre mois. Ah oui, c'est ça le message que je voulais vous donner. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'art, de créativité, d'artiste. La reine de bâton, elle est connue pour être justement l'artiste du tarot. Donc, il y a peut-être aussi des personnes là qui angoissent un petit peu à l'idée de se montrer parce que c'est quand même la rentrée. Donc, peut-être que vous avez choisi de prendre des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de danse, quelque chose qui justement va vous demander à un moment donné de faire des représentations, comme il y a souvent à la fin de l'année scolaire. Ça peut être des auditions, des petits spectacles, etc. Donc là, ce mois d'octobre, on vous dit n'ayez pas peur de vous montrer parce que c'est clair que si votre cœur et la force de vie qui est à l'intérieur de vous vous a mené à faire ça, c'est qu'il y a quelque chose à y faire. Ok? Donc n'ayez pas peur de vous montrer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'énergie générale? Waouh! La conscience avec le pouvoir présent. J'adore parce que cette reine de bâton, c'est ça en fait, hein. Il y a le lion là. Et c'est comme si c'était le roi de bâton, du coup on a le dompteur de lion. C'est ça, ce mois d'octobre, vous allez dompter votre pouvoir personnel, groupe 1. C'est quand même génial. Parce que quand on prend des décisions qui viennent du cœur, c'est ça le lion, hein, le signe du lion, c'est qu'il est généreux, il fait les choses avec le cœur, il a la force de vie qui est très présente, il est solaire, il est joueur, il y a l'enfant intérieur aussi. Donc, quand on fait des choix qui viennent de cette force de vie, on se renforce dans notre pouvoir personnel. Et c'est ce qui va se passer avec la passion, les amoureux, le pouvoir personnel. C'est ça, vous allez encore plus être amoureux de vous-même, en fait. Vous allez de plus en plus vous aimer. Et si vous vous aimez de plus en plus, vous attirez à vous des personnes qui vont vous aimer de plus en plus. C'est QFD. Donc, ouais, ce mois d'octobre, vous allez prendre une décision qui va vous renforcer. En tout cas, je l'espère pour vous, mais en tout cas, les étoiles ont l'air d'être alignées pour vous. Donc, vraiment, écoutez votre cœur. C'est assez abstrait dit comme ça, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous vous prenez trop la tête par rapport à une décision, c'est que c'est pas la bonne pour vous. C'est qu'il y a autre chose qui viendra ou que vous êtes amené à chercher autre chose. Ok? Je me souviens dans le début de ma quête, dans le développement personnel, quand j'étais au début de ma guérison, j'essayais de comprendre le mental, ça me rendait dingue. Et je me souviens, j'avais fait un mémo écrit en grosses lettres capitales, prise de tête égale pas bonne direction. Et la plupart du temps, ça s'avère être la réalité, hein. Donc, il y a toujours des exceptions pour tout. Mais voilà, moi, je fais des généralités pour ce qui a le plus fonctionné pour moi, bien évidemment, et pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, une décision qui va renforcer votre pouvoir personnel, qui va aussi vous donner plus confiance en vous et vos instincts, vos intuitions.
Et pour certains, on voit bien que ça sera peut-être un combat aussi, hein, de prendre cette décision. Ça sera pas facile parce que peut-être que pour certains, vous avez un mental qui est très présent, qui veut contrôler. Donc ça sera peut-être un combat. Mais le combat, je vous rappelle, il est en fréquence positive. Donc vous avez toutes vos chances de le gagner, ce combat. Allez, maintenant, on va voir les difficultés, justement. Ou la difficulté. On va voir s'il y a une ou plusieurs choses qui viennent. Je vais tirer une carte pour la difficulté. Allez, pour mon groupe 1, pour le mois d'octobre, la difficulté. Bon, la difficulté, j'ai l'impression que ça va être de ne pas avoir peur aussi, hein. Oh, on en a trois. Est-ce qu'on les prend? Est-ce que vous êtes prêts, groupe 1? Allez. Ok, ça va. C'est pas si terrible que ça. Alors. On est à l'harmonie, donc le soleil en balance, c'est pile poil la bonne saison en plus parce qu'on a quasiment tout octobre jusqu'au 23, si je ne m'abuse, qui est dans le signe de la balance. Donc, ça va être vraiment la période pour vous pour travailler votre harmonie intérieure. Ça va être un challenge, ça va être un défi pour vous. Ça va peut-être être une difficulté comme on l'a vu parce qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire qui va être important pour vous. Donc, ça ne m'étonne pas que l'harmonie arrive. On a la résistance, bien évidemment, qui suit la continuité de ce qu'on a dit. C'est que le mental va probablement résister pour beaucoup d'entre vous et il faudra justement s'écouter. Et c'est très intéressant parce que cette nuit, j'ai rêvé d'une plume de perroquet verte, justement. Donc, peut-être que vous aurez envie d'aller voir après cette guidance la signification du perroquet. Il aura peut-être un message pour vous. C'est possible. En tout cas, si je vous dis ça, c'est que c'est peut-être pas par hasard. Donc la résistance du mental, ça ne m'étonne pas. Et la concentration, regardez-moi ça, ce petit diable là au-dessus de cette bouche. Hein, le petit diable qui nous fait penser des choses qui ne sont pas la réalité, qui nous fait angoisser, alors que finalement, il n'y a pas grand-chose à craindre. C'est juste qu'on n'est pas sur la bonne direction, mais le mental peut en faire des tonnes. Il peut en faire des caisses. Donc ouais, c'est ça, c'est concentration. Donc la concentration, ça peut être aussi que pour certains, le défi, la difficulté, ça va être de ne pas vous éparpiller, de vous en tenir à cette décision ou de vous en tenir à ce projet ou cette personne peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'avec les amoureux, on pourrait très bien avoir deux personnes concernées dans une triangulaire où vous décidez aussi qui est-ce que vous allez garder ou pas. Ou est-ce que vous allez garder une personne ou les deux ou aucune. Voilà, donc chacun sa vie, chacun ses choix bien évidemment. Faites ce que vous voulez en couple. Mais voilà, il y a peut-être une décision par rapport au couple, hein, c'est possible. Ouais, une décision passionnée. Donc voilà, les difficultés, concentration, ne pas vous éparpiller, la résistance du mental et l'harmonie à maintenir. Voilà, et maintenant, les réussites. Quelles sont les réussites pour vous? Ça m'étonne pas que vous ayez trois difficultés qui sortent, la groupe 1. C'est logique parce que vous allez vers une version de vous-même qui est beaucoup plus renforcée, qui a beaucoup plus de pouvoir, qui est beaucoup plus ferme. Beaucoup plus concentré aussi sur son but, donc quelque part à grande lumière, ténèbres profondes. Donc plus vous brillez, plus vous allez devoir faire face à vos ténèbres, mais c'est pas grave parce que vous allez y arriver. La lumière, elle fait comment dire, une petite bougie peut illuminer une pièce entière, donc faut pas avoir peur de vos ténèbres, même s'ils sont profonds, la lumière gagne toujours. Ah, et ça me fait penser, il y a l'acteur qui jouait Dumbledore dans les derniers volets d'Harry Potter qui est mort. Et il disait, mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit simplement de se souvenir d'allumer la lumière. Ah, ça m'est un petit peu émotionnel parce que c'est quand même une grande partie de ma vie, Harry Potter. Et du coup, qu'un acteur soit encore parti, ça fait bizarre. Mais voilà, tout ça pour dire que même si vous êtes en prise à ce genre d'énergie, sachez seulement que le fait de prendre une décision qui va aller dans le sens de votre pouvoir personnel, qui va vous renforcer, qui va aller dans le sens de votre force de vie, qui est la lumière finalement, vous allez pouvoir éclairer ces ténèbres et ils seront juste un mauvais moment que vous avez passé. Voilà. Alors, maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme réussite pour vous, groupe 1?
Ah bah on a deux réussites, c'est cool. Il fallait au moins ça quand même pour contrebalancer un peu. Donc c'est un mois riche, c'est un mois riche pour vous. Allez, on a donc compagnon. Là c'est plutôt une sororité, hein, mais ça peut être aussi tout simplement des personnes de votre famille d'âme avec la lune en balance. Dis donc, vous avez le soleil et la lune en balance. Donc pour les personnes qui sont du signe de la balance, clairement là c'est votre mois. Hein. Et on a Saturne en cancer avec la charité. Donc ça, ce sont vos réussites. Donc avec les compagnons, les compagnes, ça peut être justement que là, comme on l'a vu tout à l'heure, la réussite, c'est que vous allez attirer, manifester ou rencontrer une personne de votre famille d'âme ce mois d'octobre. Une personne qui va vous aider, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va vous soutenir. Ça peut être un mentor, un enseignant, un employé, un ami. Ça peut être un amant, une amante, une nouvelle relation, peu importe. C'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée, cela dit, hein, mais avec laquelle vous passez à un niveau supérieur aussi, c'est possible. Et la réussite, avec la charité, ce qui me vient, c'est que vous allez attirer beaucoup de soutien de la part des anges, de la part déjà de votre famille d'âme qui sera sur Terre, mais aussi de votre famille d'âme qui est dans le ciel, donc les anges, les guides spirituels, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. Mais votre famille d'âme dans le ciel est là pour vous. Et en plus, regardez, j'ai même pas relevé, mais on a les petits angelots ici. Ils sont avec vous pour vous aider parce que vous allez prendre la meilleure décision. De toute façon, je dis toujours, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez déjà, comment dire, vous êtes déjà dans une vibe qui veut prendre son pouvoir personnel, qui veut être dans la lumière. Donc si vous êtes sur cette chaîne, c'est déjà une confirmation que vous êtes capable de le faire. Donc, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas pour vous. Donc, quand vous aurez pris cette décision qui va vous renforcer et qui est dans le sens de votre plus grand bien et de celui des autres et de votre force de vie, vous allez attirer à vous une montagne d'aide de la part des anges et de votre famille spirituelle, de vos guides spirituels, parce que vous aurez pris une décision dans le sens de l'évolution de votre âme, logiquement. Vous voyez? Et regardez ça! Encore la balance! Vénus en balance avec l'indécision. Eh oui, c'est ça! C'est ça! Clairement, voilà, il y a une décision à prendre. Je ne vais pas le répéter 15 000 fois. Je vous ai donné tous les conseils que je pouvais. En tout cas, comment dire, moi et vos guides plutôt. Donc maintenant, à vous de jouer, groupe 1. Et j'aimerais un dernier message pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire? Éventuellement un conseil ou une confirmation, un message en plus? Oh, j'adore. Embrasser l'obscurité. Oh, mais regardez ça. Briller votre vraie lumière sur cette terre. Oh, mais j'adore votre tirage. Est incroyable, groupe 1. C'est que des confirmations, que... Oh, j'ai trop l'impression que l'esprit de... Comment il s'appelle? C'est Michael. Oh, je sais plus, mais l'esprit de Dumbledore, il est avec nous, là, du coup. Parce que c'est une belle confirmation de la métaphore et de la citation que j'ai donnée. Qui est dans Harry Potter 3 d'ailleurs. J'adore! Oh! Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus, groupe 1, parce que je commence à être un peu émotionnelle. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière, encore une fois. Joyeux anniversaire à toutes les balances, tous les scorpions. Passez un très beau mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour, groupe 2. Alors, c'est parti pour voir ensemble les énergies de votre mois d'octobre 2023. Donc, on va commencer par un message canalisé avec le tarot. Ensuite, on verra les difficultés, les réussites pour vous pour ce mois-ci. Et on terminera avec un message ou un conseil de la part de vos guides. Et j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les balances et tous les scorpions du mois d'octobre, qui est un mois important pour moi aussi, parce que c'est mon mois de naissance. Voilà. Allez, on commence avec les énergies de votre mois d'octobre avec un message canalisé de la part de vos guides. Allez, trois cartes s'il vous plaît de tarot pour le groupe 2. Alors, on a le valet d'épée, l'apprenti sorcier un peu, hein. J'adore ces cartes. Je suis tombée dessus sur une story d'une américaine ou une anglaise, je sais pas. Et j'ai eu un coup de foudre. Elles sont trop belles. Et puis là, c'est parlant. On voit que le valet d'épée, c'est un apprenti qui teste des choses, qui l'essaye, qui prend des notes, qui écrit ses recettes, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ouais, donc là, on a vraiment... c'est bien représenté, là, pour le coup.
Ensuite, on a le roi de bâton. Ah, ce mois d'octobre, il y a peut-être quelque chose que vous avez expérimenté, que vous avez essayé, qui va fonctionner. Parce que vous y êtes pris au bon moment, vous avez pris une décision au bon moment, ou alors vous êtes tombé au bon endroit au bon moment, parce que vous avez suivi votre guidance peut-être, il y a quelque chose comme ça. Et, ouh, la 8 de bâton, j'adore. J'adore. Alors, avec cette 8 de bâton, on a cette idée d'avoir de la chance de toucher la cible parmi... Ah, mais regardez ça! Il y a plein de lances, mais il y en a une qui a des ailes et c'est elle qui a touché le centre, la cible. Et ça me fait vraiment penser justement à cette guidance intérieure, à cette guidance divine. Cet apprenti-là, il est inspiré, il a des idées, il est poussé par le génie créatif. Il a envie d'apprendre, il a envie de comprendre, de développer une solution qui va fonctionner. Le roi de bâton a clairement réussi à faire ça. Donc le page, le valet d'épée s'est transformé en roi de bâton. Et ça mène à du succès parce que clairement, il y a ce génie créatif ou cette impulsion, cette guidance divine qui vous a poussé à faire quelque chose à un moment précis. Et c'est rigolo parce que le groupe numéro 1 nous parle d'une décision à prendre avec le cœur très importante, etc. Le groupe numéro 2 nous parle clairement d'une décision que vous avez prise avec le cœur et qui va être bénéfique pour vous ce mois d'octobre en fait. C'est ça. Parce que vous avez pris une décision avec le cœur qui est même en gros là, la cible est en forme de cœur, eh bien, vous allez réussir là où d'autres ont échoué en fait. C'est exactement ça. Le roi de bâton, il saute pas sur n'importe quelle opportunité. Il saute sur celle qui fait vraiment vibrer son âme, vibrer son corps, et qui le fait vraiment se sentir vivant. Où il sait qu'il va pas perdre son temps, il sait que c'est bénéfique pour lui de se lancer là-dedans. C'est ça en fait. Je pense que là, ce mois d'octobre aussi, on vous encourage à pas suivre la masse, à être un petit peu ce génie fou, ce scientifique fou là, cet apprenti fou dans son laboratoire, dans son astrolabe, et de vraiment vous focaliser sur ce qui vous passionne, sur ce qui suscite en vous de la curiosité. Donc si vous n'avez pas encore pris de décision ou fait de choix ou testé des choses, c'est peut-être ce mois d'octobre où on vous conseille de tester des choses et de vraiment creuser là où votre curiosité est piquée, où vous sentez vraiment que ça vous transporte de faire ce que vous faites. Mais on vous dit que vous allez être aidé par rapport à une décision qu'il va falloir prendre ou que vous avez pris, que vous avez des ressources, vos guides, des personnes qui vont venir vous épauler aussi. C'est comme si, en fait, par exemple, je prends un cas vraiment extrême, c'est un autiste dans son laboratoire qui essaye plein de trucs, mais qui est vraiment nul en compétences sociales et qui, du coup, ne va pas démarcher les gens, ne va pas faire sa pub, par exemple. Et vu que son génie est beaucoup trop gros pour pas être remarqué, eh bien, c'est ces personnes qui viennent à lui pour proposer leurs services. Donc, j'ai un peu cette idée-là. Donc, si certains d'entre vous, vous avez des capacités, des talents que vous faites peut-être en vase clos ou tout seul, si vous travaillez de plus en plus ces talents et ces capacités et que vous vous montrez au monde quand même un minimum, les personnes qui sont intéressées vont venir vous chercher. Ouais. Donc ça, c'est un petit message pour votre mois d'octobre. C'est que c'est possible qu'on vous propose quelque chose, que vous ayez des personnes qui viennent vous proposer une offre ou que vous ayez d'un seul coup quelque chose qui se débloque, qui n'était pas du tout attendu ou alors il y avait très peu de chances que ça se produise, mais ça s'est produit. C'est parce que là, ce mois d'octobre, vous êtes porté par une belle énergie parce que vous vous dévouez à ce qui suscite de la curiosité, ce qui suscite de la passion et un réel intérêt. Et en dessous du paquet, on a la reine de coupe. Ah, c'est intéressant, c'est une sirène qui a l'air de sauver. Ah, est-ce qu'elle le sauve? Oui, je pense qu'elle le sauve, hein. Oui, parce que c'est la reine de coupe. Elle sauve un marin apparemment échoué, donc ça vient un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on peut dire sur les sirènes. Donc encore une fois, on a un cas d'école là. Toutes les sirènes, normalement, attirent les marins pour les emmener dans les fonds et finalement, ça les mène à leur mort. Mais là, cette sirène, elle décide de sauver cet humain, alors qu'il était probablement tombé dans l'eau en plus. Au lieu de le bouffer ou de l'en faire je sais pas quoi d'ailleurs, c'est parce qu'elles en font les sirènes. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que ce mois d'octobre, attendez-vous à ce que vous fassiez, comment dire, partie du petit pourcentage qui a de la chance en fait.
Mais pas parce que vous avez de la chance de manière arbitraire et que c'est plouf-plouf, toi t'auras de la chance, toi tu vis, toi tu meurs. Non, vous avez de la chance, vous allez attirer à vous une occasion peut-être rêvée qui n'arrive pas au plus grand nombre parce que vous êtes justement dans cette énergie de curiosité, de faire les choses avec le cœur, par réel intérêt, plutôt que pour arriver à des fins comme avoir de l'argent ou être populaire ou je ne sais quoi. Lui, il en a clairement rien à foutre d'être populaire, hein. Il est dans son coin, il kiffe trop ses fioles, il teste des trucs, il s'enjaille. Donc, si vous êtes dans cette énergie, vous allez attirer à vous des belles choses, vous allez attirer à vous de la facilité, vous allez attirer à vous des coups du destin, des coups de chance finalement. Vous allez faire partie des 5% en fait. C'est exactement ça. Vous allez faire partie des 5% parce que vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'intérêt, dans la stimulation. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Votre mois d'octobre pour commencer. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec mon petit oracle fétiche que j'adore? Graines de cosmos, de nawettes. On a la confiance. Alors, avec la confiance et le valet d'épée, on vous dit aussi pour certains, là, pour ce mois d'octobre, si vous essayez quelque chose ou si vous avez essayé plein de choses différentes, mais que à chaque fois c'était un flop, c'était une expérience ratée, par exemple, comme ce petit scientifique, là, ce petit alchimiste. On vous dit d'avoir confiance parce qu'à force d'essayer, on finit par tomber sur la bonne chose. Je vais vous donner rapidement mon exemple, mais moi, mon rêve, c'est d'être musicienne. Un moment, mon rêve, c'était d'être couturière. Un moment, mon rêve, c'était, voilà, j'avais plein de rêves. Celui qui reste, c'est la musique. Mais à chaque fois, je tentais des trucs, ça marchait pas. Je tombais sur des personnes qui n'étaient pas alignées. Il y avait personne à mes concerts, par exemple. Oui, ça fait de la peine, hein, mais n'en ayez pas, vous inquiétez pas, je suis complètement OK avec ça. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai essayé le tarot un jour parce qu'une copine m'a dit qu'elle aimait bien mes tirages et que ça serait dommage de garder ça pour moi et que voilà. Donc j'ai essayé et ça a marché. Donc moi, je vous dis juste d'avoir confiance parce qu'il y a forcément à un moment donné quelque chose qui va fonctionner pour vous. Si vous essayez quelque chose ce mois d'octobre, c'est possible que ça fonctionne d'ailleurs. Parce que là, on vous dit quand même que vous atteignez une cible, vous atteignez un but en particulier, hein. Là, ce roi de bâton, il se pavane dans son royaume et il a l'air d'être conquérant, d'avoir réussi quelque chose. Donc pour moi, je pense que ce mois d'octobre, vos guides veulent vous dire d'avoir confiance parce que vous allez avoir le soutien nécessaire. Vous allez réussir quelque chose en particulier. À force de tester les choses, à force d'essayer, on tombe forcément sur quelque chose qui va marcher. Le tarot, ça a marché pour moi parce que j'aime ça. Parce que j'aime la surprise à chaque fois des cartes qui vont sortir. Même s'il y a eu beaucoup d'appréhension au début parce que je connaissais pas toutes les cartes par cœur, il y a quand même cette passion qui reste, qui est le fil conducteur. Donc, voilà, tout ça pour dire que vous allez trouver quelque chose, si c'est pas déjà le cas, qui vous passionne vraiment. Ayez confiance. Ça, c'est un message pour certains d'entre vous. On a la dualité avec le roi de bâton. Ouais, c'est ça. La dualité, c'est savoir quand agir et quand ne pas agir. Le roi de bâton, c'est l'expert là-dedans. Il ne saute jamais sur une opportunité qui ne sait pas qu'elle va être bonne pour lui, en fait. S'il n'est pas sûr qu'elle va être bonne, s'il n'a pas pesé le pour et le contre au préalable, il est préparé en fait. Le roi de bâton, il est peut-être, il décide peut-être sur le coup, mais il a bien réfléchi au préalable à tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait pas. Donc dès qu'une opportunité se présente, il a l'air d'être impulsif, mais en fait, il sait exactement ce qu'il fait. Tout le monde autour de lui peut lui dire, mais t'es fou, pourquoi tu prends pas cette opportunité, mais t'es un malade, mais machin, mais c'est la sécurité garantie, mais c'est l'argent garanti ou je ne sais quoi. Et le roi de bâton, il a déjà réfléchi à tout ça, et il sait que non, c'est pas bon pour lui. Alors qu'une opportunité, peut-être que tout le monde va refuser ou que tout le monde va manquer parce que justement ils sont pas dans le bon état d'esprit, là le roi de bâton, il aura bien réfléchi et il va y aller. Donc c'est vraiment être équilibré avec le féminin qui se pose, qui va à l'intérieur pour savoir ce dont il a vraiment besoin, et le masculin qui agit en sachant exactement ce dont il a besoin parce que le féminin a fait son travail. Vous voyez? J'adore. Et on a, oh, le féminin. J'adore. Parfait. On a eu le masculin, je crois, dans le groupe 1. Donc il y a quand même une résonance avec le groupe 1,
C'est comme si en fait le groupe 2 c'était la suite du groupe 1 un petit peu. Ouais, il y a un petit peu de ça. Bref, si vous avez été attiré par le groupe 1, il y a peut-être un message pour vous, mais si vous n'avez pas été, prenez pas cette réflexion en compte. Donc avec le féminin et la cible là qui est touchée en plein cœur finalement, c'est ça, il y a cette idée de faire les choses avec le cœur, de faire les choses avec une réelle émotion en fait, comme la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans ses émotions, elle est créative. Elle est très intuitive aussi. Donc on vous encourage aussi à faire les choses avec votre intuition, bien évidemment. Et dès que c'est l'heure, votre mental, il vous donnera le courage nécessaire pour agir. Le côté masculin sacré, c'est le mental aussi. Quand il est équilibré, il prend les meilleures décisions pour lui, il sait se rassurer, il sait compartimenter aussi. Donc ouais, il y a vraiment cette idée de laisser votre féminin mener la danse. Et le moment où votre masculin sacré entrera, c'est le moment où vous prendrez une décision, où il faudra être fort, où il faudra établir des bases, etc. Super intéressant. Et on a le futur. J'adore. Ouais, soyez positif par rapport à votre futur groupe 2. Là, c'est pas une prédiction, c'est vraiment un conseil parce que le fait d'avoir des pensées positives, ça va vraiment vous attirer des belles choses positives. N'attendez pas que votre vie soit merveilleuse pour être reconnaissant. Soyez reconnaissant maintenant, même si votre vie n'est pas géniale. C'est le fait d'éprouver de la gratitude qui va permettre d'attirer plus de gratitude dans votre vie. Même si c'est juste une chose par jour pour laquelle vous êtes reconnaissante, ressentez cette gratitude pour de vrai. Elle grandira. Ça permet aussi à votre cerveau de faire de nouvelles connexions, de prendre de nouvelles habitudes. Parce que si on est habitué à se plaindre, à être dans le blâme ou à être dans la négativité, le cerveau, c'est comme un ordinateur. Il y a des programmes, des circuits qui sont installés. Donc si on les laisse s'installer, ils restent comme ça. Donc c'est important d'installer de nouveaux programmes qui vont remplacer les anciens. Et là, c'est le programme de la gratitude, en l'occurrence. Mais voilà, c'est un petit message conseil pour vous. Alors, ce mois d'octobre aussi, je vois que vous allez réussir à dépasser une certaine forme de dualité, d'inconstance à un certain niveau. Et ça va vous permettre d'atteindre une cible, d'atteindre un but. Ouais. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a trois cartes, dis donc. Allez, on va les prendre. Alors, on a la reine de coupe, intuition et manifestation. On a les partenariats, alors kindred, j'aime beaucoup ce mot, mais il n'y a pas vraiment de traduction en français, c'est les personnes qui sont sur la même vibration, la même longueur d'onde, des âmes sœurs finalement un petit peu, hein. Donc partenariat, ça peut être justement romantique, platonique ou du soutien comme on l'a vu tout à l'heure. Et on a la perte. Donc ouais, ayez confiance, d'ailleurs ça va dans ce sens, ayez confiance parce que la perte que vous avez souvent à cause des expériences qui ont un peu échoué, tout ça, vous avez l'impression de perdre votre temps, vous avez l'impression d'avoir perdu de l'argent, de l'énergie ou je ne sais quoi, mais c'est qu'une impression parce que les échecs nous apprennent beaucoup plus que les réussites. Les échecs nous apprennent beaucoup plus que les réussites. Imprimez ça quelque part. Et là, c'est ce qu'on vous dit ce mois d'octobre, c'est que il y a une réussite à un certain niveau après beaucoup d'échecs. Peu importe le domaine, si c'est sentimental, relationnel, professionnel, peu importe. Mais vous allez réussir. Ça peut être avec intuition et manifestation que vous essayez de vous connecter à votre âme, de vous connecter à vos guides, de développer votre intuition, ou de développer vos dons médiumniques, ou de développer vos dons énergétiques, peu importe, ou même vos dons créatifs, hein. Et on vous dit que même si vous avez l'impression d'être perdant, vous n'allez pas le rester. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous du paquet? On a le fait de mériter. Eh oui! Ce mois d'octobre, on vous dit que ça commence par reconnaître ce qu'on a déjà et attirer à nous, du coup, ce qu'on mérite vraiment. Parce que quand on est reconnaissant, on attire à nous plus de reconnaissance. Et aussi, on est plus dans la joie que dans le reproche, que dans le blâme, que dans la plainte. Et c'est ça qui va nous permettre de sortir de l'état de victime qui se dit qu'il mérite, en fait. Qu'on n'est pas une victime de la vie, mais qu'on a, comme tout le monde, la chance de pouvoir manifester ce qu'on veut. Même si on n'est pas tous égaux, on a tous des difficultés qui sont différentes à des degrés différents,
on a tous cette même capacité de manifestation parce qu'on est tous des êtres qui vibrent une vibration particulière. Ok? Donc je pense que vous vous rendez peut-être aussi compte de ça, ce mois d'octobre, groupe 2, parce que non seulement avec cette cible qui est aidée par des ailes d'ange, on voit que vous faites un travail sur vous qui va vous permettre d'attirer plus de facilité dans votre vie. Ok? Allez, maintenant on va passer aux difficultés et aux réussites. Alors, on a l'égoïsme, tiens donc. La difficulté, ça va être l'égoïsme avec Mars en Lion. C'est très intéressant parce que si c'est mis en difficulté, c'est que ça va être difficile pour vous soit ah, j'ai le mot en anglais, de maîtriser, de gérer les relations avec les personnes qui sont trop dans l'ego, qui sont trop, ouais, trop dans l'ego, hein, dans la plainte, la victimisation, etc. Qui sont pas assez dans le positivisme, dans la confiance en soi, dans la confiance en le monde, de manière générale. Donc peut-être que vous allez avoir des difficultés avec ce genre de personnes ce mois d'octobre. Donc je vous conseille justement d'être égoïste. Ça sera peut-être la difficulté pour vous justement, et de prendre soin de vous, de vous retirer. Et peut-être que certains d'entre vous, avec la perte, vous le verrez comme une perte, mais ça peut être temporaire. On n'est pas obligé de se couper des gens pour toujours. Certains, oui, d'autres, non. Mais là, clairement, on vous encourage peut-être à faire un peu plus preuve d'égoïsme, à vous retirer dans votre laboratoire, comme on l'a vu, à expérimenter, à prendre soin de vos projets, prendre soin de vous. Et à être dans le féminin, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, parce qu'on a la dualité, certes, mais on a quand même le féminin qui est ressorti. Hein. Donc, la difficulté, ça va peut-être être de penser à votre gueule, en fait, là, ce mois d'octobre, groupe 2. Mais voilà, sachez que ça va être important pour vous, hein, parce que cette reine de coupe, quand même, elle est souvent très dévouée. Là, on voit qu'elle utilise ses propres pouvoirs pour sauver un humain qui ne la connaît presque pas. Vous voyez, là, il est entouré d'une aura bleue. Donc, oui, aidez les autres, bien évidemment, soyez philanthrope, hein, mais bien évidemment, protégez-vous. Ne faites pas ce que vous faites avec tout le monde. Soyez, comment dire, excusez-moi, je viens de voir une bête sur ma sur mon mur, désolée. Je disais oui. On aide les autres, mais on est quand même égoïste, c'est-à-dire qu'on pense à nous, qu'on se recharge avant et qu'après on peut donner de l'énergie aux autres. Et les personnes, malheureusement, qui sont trop dans la victimisation et dans l'ego, elles pompent de l'énergie, mais elles n'en échangent pas vraiment. Donc voilà, sachez poser vos limites, pour faire court. Et maintenant, on va voir les réussites. Allez, quelle réussite pour mon groupe 2 pour le mois d'octobre? Ouh! La fortune avec le soleil en lion. Donc on a deux fois le signe du lion, c'est très intéressant. Alors ce que ça me dit déjà, on verra pour les réussites après, mais deux fois le signe du lion et cette expérimentation là, cette perte, pour moi j'ai vraiment cette idée de choses que vous avez essayé sur le long terme. Donc peut-être que ça fait depuis la période des lions, depuis juillet, août, septembre, que vous essayez des choses et que ça marche pas. Et là on vous dit qu'octobre ça pourrait bien être votre mois justement. En tout cas, les énergies vous pousse à réussir quelque chose en particulier. Ok? Et donc c'est là qu'intervient la fortune. Donc la réussite, c'est la fortune. C'est peut-être que vous allez attirer justement de nouveaux partenariats. Ça peut être la fortune sous la forme d'une nouvelle relation amoureuse, d'une nouvelle relation amicale. Ça peut être aussi sous la forme de clients ou alors d'une promotion, d'une rentrée d'argent. Peu importe ce que ça signifie pour vous, la fortune et ce que vous espérez obtenir, vous êtes différents, vous êtes nombreux, mais voilà, il y a une très très belle lumière qui brille sur votre mois d'octobre, groupe 2, j'adore. Et ouais, je crois que c'est tout ce que je voulais voir. Ah, regardez en dessous. On a la flatterie avec Vénus en balance. Vénus qui est le signe de la balance, qui représente l'amour, la douceur, l'équilibre. C'est très intéressant parce que la flatterie, justement, je pense que ce mois-ci, vos guides, ils vous conseillent de vraiment reconnaître votre valeur, de reconnaître que vous avez le droit de vous adonner à ce qui compte pour vous et pour votre cœur, même si ça signifie peut-être perdre certaines relations ou certains privilèges temporairement ou définitivement, mais on en gagne toujours d'autres derrière. Ce vide est toujours comblé. Parfois, ça met un petit peu de temps, parce qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour nous, pour guérir, pour se focaliser sur ce qui compte, mais ça finit toujours par être remplacé. Ok? Donc, flattez-vous, c'est-à-dire donnez-vous de l'attention. Bichonnez-vous ce mois-ci et
Vraiment, il y a cette idée d'être dans son labo, de faire sa petite cuisine là, de faire ses petites potions, je ne sais quoi, et de vraiment profiter de ce qui vous stimule mentalement, créativement, émotionnellement. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer votre tirage pour le mois d'octobre? Allez, le mois d'octobre pour... J'allais dire pour mes balances, mais n'importe quoi, c'est juste le mois des balances majoritairement. Pour mon groupe 2, un dernier message, s'il vous plaît. Et nous avons, waouh, ressentez et libérez. Ressentez cette émotion, ressentez cette créativité. Libérez tout ce que vous avez accumulé pendant votre voyage. J'adore. Ouais, parce que pour certains, vous avez vraiment envie peut-être de vous dévouer dans une relation, de vous dévouer dans un travail ou de vous dévouer dans une passion. Je me souviens, quand j'avais pas encore quelque chose pour laquelle me dévouer, j'avais cette énergie qui bouillonnait en moi, ce feu qui était vraiment restreint en fait, qui était dans mon corps mais qui pouvait pas se libérer. Et du coup, j'ai vraiment cette sensation que ce mois d'octobre, vous allez pouvoir libérer cette passion, la dévouer dans un sens. Et c'est une passion qui va vraiment enflammer votre cœur, donc c'est vraiment génial. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour votre mois d'octobre. Groupe 2, j'espère que la guidance vous a parlé, qu'elle vous a ouais, soutenu de manière générale. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Encore joyeux anniversaire à tous les balances et toutes les scorpions. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 3! Alors, c'est parti pour voir ensemble les énergies de votre mois d'octobre 2023. Donc, on va commencer avec un message canalisé de la part de vos guides pour les énergies générales. Ensuite, on verra les difficultés, les réussites pour vous au cours de ce mois. Et on terminera avec un message conseil de la part de vos guides. Et j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les balances et tous les scorpions du mois d'octobre. En plus, le mois d'octobre, c'est mon mois de naissance, donc j'aime particulièrement cette période. Allez, c'est parti pour le message canalisé de la part de vos guides pour le mois d'octobre. J'aimerais trois cartes, s'il vous plaît. Hop. Ouh, j'adore ce tarot. J'adore. Je crois que c'est ma plus belle découverte là, de cette année, ce tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. On avait une reine dans le groupe 1, un roi dans le groupe 2 et un autre roi ici. La mort, qui est magnifique, elle est très apaisante cette carte. On a Pluton ici d'ailleurs qui est gravé dans la pierre. Et le magicien, waouh! Alors j'entends beaucoup d'eau à couler sous les ponts. Je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être que pour certains ça vous parle. Il y a peut-être un besoin là, ce mois d'octobre, groupe 3, de faire peau neuve par rapport à quelque chose. Celui qui reste fixé sur une idée finit toujours par avoir tort. Je ne sais pas pourquoi j'ai des citations qui me viennent comme ça, mais peut-être que ça vous parle à certains d'entre vous. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous et ça va vous demander d'être ouvert. Parce qu'on voit que clairement, il y a un terrain fertile pour quelque chose de nouveau pour ce mois d'octobre, groupe 3. Et il y a de l'inspiration qui va venir à vous, il y a de l'aide qui va venir à vous. Il y a peut-être aussi de nouvelles choses, même si vous avez l'impression de maîtriser, de gérer un domaine, il y a d'autres éléments qui vont venir vous aider, qui vont venir étoffer peut-être ce que vous connaissez, qui vont vous donner une nouvelle lumière sur ce que vous faites ou sur ce que vous êtes. Mais ouais, je vois que là, vous allez changer quelque chose, vous avez décidé de changer quelque chose, peut-être de changer d'avis, de changer de méthode. Et vous allez faire quelque chose de sage, en fait, par rapport à ça. Vous allez sentir le changement arriver pour vous et vous allez l'accueillir avec sagesse, maturité, conscience. Là, c'est vraiment ce que je ressens là. On a cette prairie là qui est vierge, hein, qui est verte. Et là, on a plein de fleurs sous le magicien qui est en lévitation. Donc moi, je vois qu'il y a un gros renouveau. Ça, pour vous, c'est clair et net parce qu'avec la mort et le magicien juste après,
avec cette prairie sans fleurs, et là, il y a plein de fleurs partout. Moi, je pense qu'il y a... Ah, il y a l'appel de la vie. C'est comme s'il y avait votre... Ah, il y a un appel de l'âme, c'est le mois d'octobre. Ça y est, je capte le message. Il y a un appel de l'âme. Et j'en ai parlé dans une guidance, je ne sais plus laquelle. Si vous êtes tombé sur ce choix, le message est renforcé. Mais c'est comme si, là, ce mois d'octobre, on va vous demander, en fait, de changer d'avis par rapport à quelque chose. C'est peut-être une promesse que vous vous êtes faite, ça peut être aussi un avis tranché que vous avez eu à un moment donné et qui a besoin d'être changé, ça peut être aussi une opinion, comme on l'a vu, une méthode, un comportement, une façon de penser, peu importe ce que c'est, on vous demande de changer quelque chose qui jusque-là a bien marché pour vous, vous a probablement bien servi, ou pas du tout d'ailleurs, ça peut être quelque chose qui vous a complètement desservi, et de faire vraiment la place pour... un nouveau X, voilà, vous remplissez le blanc, ce qui vous a parlé le plus. Mais voilà, il y a vraiment cet appel en fait au renouveau, cet appel à la vie qui vient dans votre réalité ce mois d'octobre. Donc groupe 3, va pas falloir être borné, va falloir être ouvert, acceptation, lâcher prise, etc. Hein, et accueillir cette force de vie qui arrive dans votre réalité. Ouais. Ouais, c'est ça, de l'eau a coulé sous les ponts, celui qui change pas d'avis finit par avoir tort. Enfin, il y a vraiment cette idée de laisser le passé derrière vous, même si pour un temps ça vous a aidé, ou pendant un temps ça vous a réconforté, ou je ne sais quoi, il y a quelque chose du passé qui a besoin de changer. Ça peut être une relation, ça peut être un point de vue par rapport à une relation, un ressenti, peu importe ce que c'est vraiment, je donne des exemples, mais vous êtes nombreux, donc... Je peux pas, comment dire, connecter avec tout le monde, mais il y a vraiment cette idée de faire la place. Faire de la place parce qu'il y a quelque chose du passé qui doit sortir là, de votre vie. Il y a tellement de potentiel pour tellement de choses qui pourraient être bloquées justement par cette chose du passé qui est encore là, que ce soit un comportement, une opinion, une promesse, une personne ou quelqu'un qui plane dans votre tête aussi, peut-être aussi. Hein. Et regardez ça, 5 de bâton. Ouais. C'est intéressant parce que j'analyse un petit peu les cartes en même temps, je les découvre aujourd'hui en même temps que vous. On a des enfants qui veulent rentrer dans le château et il y a un adulte qui fait sa part du boulot, hein, et qui les empêche parce qu'apparemment ils n'ont pas le droit. Ça peut être des enfants du peuple ou alors ça peut être tout simplement des fauteurs troubles. Il y a peut-être cette idée de faire les 400 coups entre copains, enfin, peu importe ce que c'est, il y a une énergie d'opposition mais qui n'est pas non plus très... menaçante. Que ce sont des enfants, on voit qu'ils sont de bonne humeur, qu'ils veulent juste rire. Cet adulte, il a juste à grogner un peu et ils vont partir. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée aussi de vous dire, groupe 3, que ce mois d'octobre, peut-être que vous allez avoir l'impression que c'est dur de faire la place à cette force de vie, de faire la place à ces idées ou à cette nouvelle chose qui va entrer dans votre vie. Ça peut être une nouvelle relation aussi, peu importe, mais ça va être dur pour vous, peut-être. De concevoir, de laisser ça derrière vous, mais avec cette 5 de bâton qui est vraiment douce et vraiment bon enfant en fait, je vois que ça va être plus facile que vous ne le croyez en fait. Ça va être beaucoup plus facile que vous ne le croyez. C'est comme ça en fait, cette métaphore de la force de vie et du renouveau, clairement, parce que là on a une carte où il n'y a rien, et là il y a des fleurs, il y a des anges, il y a une personne, il y a tous les éléments réunis. J'ai vraiment cette idée en fait que ça va être plus facile que vous ne le croyez en plus parce que. Intuitivement, je vois qu'il y a déjà des petites fleurs là, et là elles grandissent. Donc pour moi, vous avez déjà fait ce changement, vous êtes déjà en train de passer à autre chose, vous êtes déjà en train de revoir, de remettre à niveau en fait votre façon de penser ou vos relations ou je ne sais quoi qui va être renouvelé dans votre vie. Donc le travail, il est déjà effectué. Pour certains, vous en êtes conscient, pour d'autres, pas forcément. Mais on voit clairement que ça sera moins difficile que vous ne le croyez de laisser ça derrière vous et d'accueillir cette nouvelle forme de vie dans votre réalité, en fait. Ça peut être une nouvelle création, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau comportement, façon de penser, une nouvelle décoration, pourquoi pas, oui. Et j'aime beaucoup parce que, regardez ça encore. Au-dessus de la tête du roi de coupe, on a des enfants qui jouent. Ici, on a des petits angelots et ici, on a des enfants. Donc pour moi, j'ai vraiment cette idée.
Ah, pour certains, peut-être que vous allez travailler avec des enfants, c'est possible. Vous faites une reconversion pour travailler avec des enfants. Ça me fait penser à ça parce que j'ai une copine qui est en train de faire une formation, enfin qui va commencer une formation pour ça. Pour d'autres, peut-être que ça veut dire que cette nouvelle vie, c'est peut-être un nouvel enfant qui veut entrer dans votre vie. Si vous le souhaitez, bien évidemment, on est toujours libre de nos décisions, libre arbitre, heureusement. Sinon, ça serait les Sims. Donc, il y a cette énergie enfantine, donc ça peut être soit un nouvel enfant, soit une profession liée aux enfants, soit de passer plus de temps avec des enfants de votre famille. Ça peut être aussi de laisser plus de place à votre enfant intérieur, d'être moins rigide, d'être moins adulte, d'être plus, moins sérieux en fait, tout simplement ce mois d'octobre aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Alors, je suis désolée, mais là, je vais boire un coup, parce que je n'ai plus une goutte de salive. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Groupe 3. Avec ce roi de coupe, évolution. Voilà. Il y a vraiment un appel à évoluer, c'est ça, hein? Un appel à accueillir cet appel de l'âme, en fait. Cet appel à évoluer, finalement. Ouais, c'est ça, c'est que là, ce mois d'octobre, en plus, on a la mort, j'ai même pas capté, mais on a Halloween. On a le. Comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle la fête du 31? La Toussaint, voilà, la Toussaint. La Toussaint, je crois même que c'est le 1er novembre, je sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Tout ça pour dire qu'il y a la période des morts, il y a Halloween, il y a cette idée de mourir pour renaître. Donc, pour moi, c'est clair et net qu'il y a une renaissance pour vous ce mois d'octobre, à un certain niveau. Renaissance de votre enfant intérieur. Ça peut être aussi que vous avez beaucoup fait l'adulte ces derniers temps et que là, vous allez peut-être avoir des réminiscences de votre vie d'enfant qui vont permettre à clôturer certaines choses, à clôturer certaines une forme d'anxiété peut-être ou ah j'ai un oiseau qui a fait un bruit bizarre derrière moi, c'est marrant. Donc je pense qu'il y a un gros message par rapport à ça, c'est que vous allez pouvoir clôturer une certaine partie de votre enfance qui a été difficile aussi de ce mois d'octobre. C'est ce que je vois. Vous allez pouvoir évoluer au stade supérieur. Vous allez plus être peut-être dans l'état soit de victime, soit de nostalgie, soit de regret ou je ne sais quoi d'autre. Vous allez sortir de ça. Une belle évolution. Qu'est-ce qu'on a avec la mort? Waouh, on a l'intuition. Vous le sentez, vous savez qu'il y a quelque chose qui va changer ou qui doit changer. Vous le sentez déjà, hein. Pour la plupart d'entre vous, vous avez cette intuition. Vous savez que les choses doivent changer. Et en plus, on a l'énergie du scorpion avec la mort et surtout avec le roi de coupe aussi. Roi de coupe et la mort, il y a l'énergie du scorpion qui est très puissante là. Donc, le scorpion, c'est justement le signe qui renaît sans cesse. C'est un petit peu comme à l'image du phénix finalement. Il va dans les profondeurs de son être pour débusquer ses ombres, les dépasser, mourir à lui-même et se renouveler. Hein? Donc c'est ce qui va vous arriver ce mois d'octobre. Peut-être que ça a déjà commencé pour certains d'entre vous. Et on a le travail. Nouveau départ au travail. Donc peu importe ce que c'est ce changement, ça va beaucoup bénéficier à votre travail. Vous allez en ressentir les effets positifs. Peut-être que ça va vous rediriger, peut-être que ça va vous donner envie de faire une reconversion avec la mort. Peut-être que ça va vous donner d'autres idées et que vous allez décider de laisser un projet derrière vous, même si vous avez beaucoup bossé dessus. Vous allez peut-être sentir que c'est plus aligné et c'est OK. Toutes les compétences que vous aurez développées pendant l'élaboration de ce projet vont servir au prochain parce que c'est pas perdu. Vous avez développé vos capacités, vos compétences, donc vous allez tout simplement pouvoir vous en servir pour quelque chose qui sera plus aligné pour vous. Vous serez sans doute plus rapide aussi pendant son élaboration. Donc ouais, il y a peut-être une création ou quelque chose qui est plus aligné qui va permettre le fait de la lâcher. En tout cas, ça va permettre à autre chose, une autre inspiration de venir. Ouais. Et on a la protection. Donc vous êtes protégé pendant ce changement, pour certains pendant cette reconversion, parce qu'on a quand même le travail et la mort, donc peut-être que certains vous allez soit perdre votre emploi, soit démissionner ou je ne sais quoi, ou peut-être, je sais pas, moi, il y a peut-être un arrêt maladie ou quelque chose comme ça, mais on voit qu'il y a une espèce de rupture. Ça peut être aussi tout simplement que c'est la mort de la passion ou de l'intérêt que vous aviez pour ce boulot aussi. Ou je parle bien sûr de quelque chose qui vous nourrit pas, on est d'accord, hein.
Ou alors tout simplement que vous allez dire que ce mois d'octobre, vous allez ressentir que c'est plus le travail qu'il vous faut et vous allez envisager quelque chose de nouveau, tout simplement. Et ça peut être aussi une grosse transformation dans votre travail qui vous plaît beaucoup, hein, tout simplement. Ça peut être un renouveau pour certains d'entre vous, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Allez, qu'est-ce qu'on a pas en dessous du paquet, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a pour étoffer un petit peu ces énergies-là pour le mois d'octobre? Et c'est intéressant parce que les trois groupes ont eu que des fréquences positives. J'adore. Donc on est vraiment sur un mois libérateur, porteur de vie, porteur de projets et de changements, hein, pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'énergie générale maintenant? Une petite carte, s'il vous plaît. Ouh! On a l'amour véritable. C'est intéressant. Ouais, pour certains, vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à aimer vos capacités, vos talents. Peut-être que pour d'autres, vous recherchez l'amour véritable dans votre travail. C'est pour ça qu'il y a cette transformation. C'est parce que vous dites, c'est pas aligné, il faut vraiment quelque chose qui parle à mon cœur. Et je vais chercher jusqu'à ce que je trouve, peut-être. Pour certains, vous allez avoir une inspiration et vous allez sentir que c'est l'amour fou, c'est le coup de foudre et vous allez mettre à profit cette inspiration pour en tirer quelque chose. Et avec le roi de coupe, et tout à l'heure je vous disais qu'il y a quelque chose du passé qui doit sortir, peut-être que là, ce comportement, cette chose du passé, cette personne, peu importe ce que c'est du passé, ça va permettre à l'amour véritable d'entrer dans votre vie. Donc l'amour véritable que vous allez vous porter à vous-même ou à quelqu'un d'autre, ou pour un projet, une passion, un travail. Mais ce mois d'octobre, on vous demande de faire la place à l'amour aussi, tout simplement, groupe 3. Peu importe ce que ça signifie. Si c'est en poursuivant un travail qui vous plaît, une passion, si c'est en disant au revoir avec respect et bienveillance à quelqu'un, si c'est aussi peut-être en pardonnant, hein, ça peut être aussi le pardon, ça peut être aussi de vous aimer assez pour vous défendre, pour poser vos limites. Peu importe, on vous dit d'ouvrir la porte à l'amour. Vous saurez ce que ça signifie pour vous, on est tous différents. Et en dessous du paquet, on a la lumière qui guérit. J'adore. Allez, maintenant, on va voir quelles sont les difficultés et les réussites pour vous. Donc, on commence par la mauvaise nouvelle. Non, je déconne. Mais on commence par les difficultés. Alors, le groupe 1 a eu trois difficultés. J'étais là, ouais, bon, ben, désolé, mais. Allez, difficultés pour votre mois d'octobre. Bon, ben voilà, vous en avez deux. Vous avez un petit peu plus de chance que le groupe 1. Les difficultés pour vous. Oh, je viens de voir 15 minutes 55. Donc, avec 5-5-5, la difficulté, ça va être justement de sortir d'aller à l'aventure, de sortir de l'ordre établi, de ce qui est confortable, de ce qui est familier, de peut-être voyager aussi. Mais encore une fois, le 5, c'est l'énergie de défi, de challenge, qui vous pousse toujours à aller plus loin. Et c'est là qu'on retrouve la mort, du coup. Parce qu'on a cette énergie de transformation, de renaissance. Ça demande du courage de renaître. Oh, regardez ça, je vous dis, ça demande du courage de renaître. Et hop, la difficulté, qu'est-ce que ça va être? De renaître, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est de tourner la page sur quelque chose qui n'est plus d'actualité. C'est d'avoir le courage de faire face à l'amour, le vrai que vous portez aux autres, et de tourner le regard de ce qui ne vous procure plus l'étincelle, de ce qui ne vous procure plus de joie. Et on a l'ordre. Alors attendez, je vais mettre sur pause. On a un camion qui passe. Donc, la naissance. Avec Vénus en cancer. Ouais, la difficulté, peut-être que pour certains, vous allez mettre au monde un petit bébé aussi. Ça va être l'amour fou avec ce petit bébé. Parce qu'on a quand même la transformation, c'est la fin d'une période de grossesse. Et ça peut être une métaphore pour certains d'entre vous qui ne sont pas du tout dans cette réalité. Et on a cette nouvelle vie qui arrive aussi. Donc, moi, ça me confirme bien cette idée de grossesse ou d'enfant. En tout cas, si c'est pas en octobre, ça peut être aussi la conception d'un nouvel enfant ou d'un nouveau projet que vous allez considérer comme votre petit bébé. Et donc, ça va être une difficulté pour vous parce que la vie est en perpétuel mouvement. Donc, peut-être que vous avez du mal à passer à autre chose, à dire au revoir à certaines périodes, par exemple. Et on a donc l'ordre avec la lune en vierge. Et pour moi, cette difficulté-là, ça va être de trier,
de mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos relations, dans votre maison peut-être aussi. Oui, j'ai parlé de décoration tout à l'heure, il me semble, hein. Donc peut-être que la difficulté, ça va être de prioriser les choses qui servent votre plus grand bien et celui de tous, qui sont vraiment alignées avec l'amour, qui sont alignées avec cet appel de votre âme, et de laisser derrière vous, bah, justement toutes les choses qui font un petit peu tache, qui font plus de désordre et de chaos que de soutien et d'ordre pour vous. Sont plus source de chaos plutôt. Donc ouais, la difficulté, ça va être de trier et de vraiment décider ce qui vient avec vous dans cette renaissance, dans cette nouvelle réalité. Ok? Maintenant, quelle réussite on a pour vous? Ah, j'ai encore un camion. Donc je disais, maintenant, quelle réussite arrive pour vous ce mois d'octobre? Oh, on a la romance avec Vénus encore une fois en taureau. Alors, la réussite justement, ça peut être que vous rencontrez l'amour, pour certains, l'amour véritable. Pour d'autres, vous l'avez peut-être déjà rencontré et du coup, c'est une confirmation qu'en tout cas, avec cette personne, il y a vraiment de l'amour. Au-delà du fait que ce soit une personne avec qui vous êtes destiné à terminer vos jours, ça, je peux pas vous dire là comme ça, c'est une guidance générale, mais en tout cas, on vous confirme bien qu'avec une personne, il y a un amour véritable. Ok, peu importe ce qui entoure la relation, il y a de l'amour, c'est clair et net. Après, c'est dans les réussites, donc moi, je vois vraiment que vous allez réussir aussi à vous laisser guider par cette force de vie, cette force d'amour qui veut juste vous amener à votre plus belle destinée. Donc cette intuition, cette impulsion du cœur en fait qui veut vous emmener là où vous allez vraiment être satisfait, que ça soit dans un travail, dans une relation, dans votre vie, dans votre cerveau, peu importe. Mais on voit vraiment que la réussite, c'est que tout simplement vous allez réussir à suivre l'amour, à être aligné à l'amour ce mois d'octobre. Ok? J'adore, c'est parfait. Et en dessous du paquet, on a la rébellion quand même, hein. Et là, ça me fait vraiment penser à cette énergie du scorpion de transformation. Donc, ouais. En tout cas, je pense que pour certains, peut-être que vous avez du mal à tourner la page, vous avez du mal à renaître, mais c'est peut-être plus... c'est pas forcément mental, il n'y a pas forcément énormément de résistance, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est déjà en cours. C'est déjà dans votre énergie, donc même si vous pensez qu'il y a des difficultés, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va être plus facile que vous ne le croyez, hein, ok? Ça vous demandera peut-être de vous rebeller avec, avec le passé, mais ça sera pas non plus quelque chose d'extrêmement difficile, ok? Et maintenant, qu'est-ce qu'on a pour terminer votre guidance? Soyez authentique. Votre façon est la seule façon pour vous. Ça veut dire que your way is the only way for you. Ça veut dire que c'est votre façon et pas une autre, quoi. Si les personnes ou la situation ne vous convient pas et ne répond pas à vos attentes, et changez. Soyez authentique. N'acceptez pas n'importe quoi de n'importe qui. Ok? Et en dessous du paquet, on a... Ah, ne détient plus de pouvoir sur vous. Dissolvez les attachements du passé avec amour, j'adore. Donc ouais, avec la lumière guérisseuse là en dessous du paquet, on a vraiment cette idée en fait d'être de plus en plus dans la lumière pour vous ce mois d'octobre et de vraiment laisser des choses avec amour, hein, dans le passé au passé en fait, de laisser le passé là où il est, là où il doit être. C'est-à-dire plus du tout dans le présent. Et je sais que c'est difficile quand c'est dans notre tête et qu'on y pense beaucoup. Mais sachez que là, ce mois d'octobre, il va être porteur d'une grande guérison. Et que quelque chose qui avait du pouvoir sur vous, c'est peut-être une personne hein, que vous croyez que c'était votre le grand amour et finalement ça s'est pas fait. Et vous y pensez encore, c'est un ex ou une ex peut-être. Et là, on vous dit que ce mois d'octobre, vous allez avoir une prise de conscience, ou vous allez décider, ou vous allez faire un rituel, ou je ne sais quoi, peu importe ce que c'est, et vous allez laisser cette personne ou cette chose dans le passé. Ça ne détiendra plus de pouvoir sur vous parce que vous n'autorisez plus en fait que ça en est. Parce que vous savez ce que vous voulez. Et quand on sait ce qu'on veut, on sait aussi ce qu'on veut pas ou ce qu'on veut plus. On se rend compte, on ouvre les yeux sur la réalité des choses.
Donc je pense aussi que ce mois d'octobre, groupe 3, vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir que certaines choses doivent effectivement rester là où elles sont, alors que d'autres veulent vraiment entrer dans votre vie. Pour certains, vraiment, j'ai un message fort, c'est que avec l'amour et la romance en réussite, là, l'amour véritable, je pense qu'il faut vraiment laisser un idéal amoureux, peut-être une personne en particulier, ou un idéal qui est plus valide pour dans la réalité actuelle, parce qu'il y a autre chose qui veut venir dans votre vie, en fait, c'est ça. Voilà, donc ça c'était un message assez particulier pour certains d'entre vous, mais pour faire un peu plus général, pour terminer cette guidance, soyez vrai, soyez authentique, amour véritable, soyez vrai. On a vraiment cette idée de laisser derrière vous aussi peut-être de la fausseté, des comportements qui sont là juste pour plaire aux autres, ou des choses que vous avez faites pour pas froisser le monde, ou je ne sais quoi. Soyez vous-même ce mois d'octobre, groupe 3. C'est ce qu'on vous conseille, écoutez votre intuition. Écoutez cette force de vie, cet amour qui vous guide et prenez la direction de votre renaissance. Voilà, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Encore joyeux anniversaire à toutes les balances et tous les scorpions. Et puis je vous dis à très bientôt. Bon mois d'octobre. Au revoir.